après toutes les vignes sont enherbées, je travaille le sol. Donc jusqu'à il y a 3 ans, je travaillais le sol uniquement avec des intercepts. Depuis 3 ans, j'ai acheté des outils rotatifs pour travailler le sol plus en profondeur. Parce qu'en fait, on est sur des sols qui sont sablo-limoneux, mais par contre, dès qu'il fait sec, c'est du béton, donc les intercepts ne rentrent pas. Donc je voulais pouvoir ouvrir la terre pour pouvoir la travailler plus facilement. Donc là, on va passer sur ma cuvée Prestige. Donc avec le nouvel habillage. C'est rare, normalement, un habillage blanc. Ouais. Alors en fait, on voulait que ça ressorte. Côté prestige, l'élégance, voilà. Donc du coup, fond blanc et puis beaucoup plus d'or à chaud. D'argent à chaud, pardon. Cuvée réserve. Par contre, je voulais pouvoir, donc un vin de gastronomie, mais qui puisse aller avec une viande blanche, avec des poissons. Voilà, donc plutôt jouer sur la fraîcheur. Donc là, je viens de passer sur ma base 2008, avant on était au 2007. On est toujours, on va dire, sur 40% meunier. Là, on va plus avoir que 20% pinot noir pour apporter un petit peu de structure et 40% chardonnay pour apporter vraiment de la fraîcheur. Donc là, il est dosé à 6 grammes, sachant que, comme je vous disais, le 2007, je l'avais dosé à 3 grammes à la fin. Là, je suis dégorgé depuis avril 2012. Donc ça prend encore un an de dégorgement. Ouais. Ce que je fais, c'est quand les bouteilles sont dans les giros, avant le dégorgement, j'en claque une à la volée, et puis j'y goûte pour voir voilà, comment est le vin. Et puis j'essaie de me projeter sur la période à peu près où je vais commencer à le commercialiser. Donc j'ajuste en fait le dosage par rapport à ce que je ressens sur le vin, et puis voilà, en me disant dans 6 mois, 8 mois, 1 an, ce que ça va donner. Quoi. Quand je fais les dégustations comme ça, ce que j'aime bien en fait, c'est... j'explique aux gens, bah, vous voyez là, avec les 3 premières cuvées, vous avez l'incidence du cépage sur l'assemblage. Vous avez le fruité du meunier sur le BSA, vous sentez le côté puissant, vineux du pinot noir sur la réserve. Et là, vous sentez le chardonnay qui apporte la fraîcheur, l'élégance, le côté aérien.